Bertrand Chameroy révèle souffrir d'une maladie incurable. Lors de son passage dans une émission de TF1, Bertrand Chameroy s'est confié sur la maladie incurable dont il est atteint. Invité vendredi dernier sur le plateau de l'émission Action ou Vérité, présentée par Alessandra Sublet, Bertrand Chameroy a fait une étonnante révélation. Si vous pensiez tout connaître de l'animateur d'OFNI sur W9, détrompez-vous. L'ancien protégé de Cyril Hanouna souffre d'une maladie incurable, la narcolepsie. Cela signifie concrètement que Bertrand Chameroy est à tout moment susceptible de s'endormir n'importe où. Lors de l'émission, deux photos du jeune homme en pleine crise ont été dévoilées. Sur la première, nous le voyons en plein sommeil, assis dans un stade lors d'un match de foot. Sur la seconde, il est complètement endormi sur le sol de ce qui semble être un ascenseur. L'animateur avoue : je m'endors même debout dans le métro. Cette maladie, prise bien trop souvent pour une blague, peut s'avérer dangereuse selon la situation dans laquelle la crise se produit. Concernant 2 personnes sur 10 000 selon Top Santé, la narcolepsie serait sans doute causée par une défaillance du système immunitaire et aucun traitement véritablement efficace n'a été trouvé à ce jour. En le voyant si fringant lors de ses apparitions télé, qui aurait pu deviner le mal qui ronge le présentateur ?